Eden Prime. C'est là que tout a commencé. Là où la balise vous a donné la vision qui nous a avertis de la venue des moissonneurs. Et c'est là que vous avez affronté Saren et les Geths pour la première fois, pas vrai? Oui. Et à présent, c'est au tour de Cerberus. Les colons d'Eden Prime sont à nouveau attaqués. Ça semble remonter à bien plus que 3 ans. C'était grave? Beaucoup de pertes civiles. Et un drone Geth a abattu un de mes hommes, Jenkins. Le rapport dit que Saren avait placé des bombes pour raser toute la colonie. Pas pendant mon quart. Et comment, Loco? Cerberus a frappé fort sur Eden Prime. Ce qu'ils sont venus chercher doit vraiment valoir le coup. Il y a des survivants ailleurs sur la colonie. Mais ils ont massacré tout le monde près du site de fouille. Ils méritent mieux que ça. Je sais. L'Alliance a fait ce qu'elle a pu pour les évacuer. Mais Cerberus a agi si vite. S'il y a des survivants, nous ferons notre possible. Et pour ce vestige, vous savez si c'est une partie de l'engin protéin trouvé sur Mars? L'Alliance n'a aucun renseignement relatif à la trouvaille de Cerberus. Mais dans tous les cas, pas question de laisser Cerberus le prendre. Je vous approche autant que possible du site de fouille. Nous serons détectés, mais vous devriez avoir quelques minutes. Bien joué. C'est compris dans le service, commandant. Allez, tout le monde. Parez à agir. Avec de la chance, on pourra atteindre le site avant que Cerberus ne nous remarque. Aucune trace de survivants. Allons-y, il faut trouver le site de fouille. C'était une belle colonie autrefois. Ils sont revenus après l'attaque des Geths. Ils reviendront encore. J'ai grandi sur des vaisseaux. Quand on en perd un, on peut en changer. Mais les souvenirs demeurent. Regardez ça. Des fragments de technologie protéenne qui dépassent du sol comme de vieux os. Hé, Lyara, vous avez déjà trouvé un dinosaure en creusant? Non. Les dinosaures et les autres fossiles relèvent de la paléontologie. Je suis archéologue. J'étudie les vestiges d'espèces douées de conscience. Ces deux disciplines n'ont rien à voir et... Vous me faites une blague. Hé, j'aime les dinosaures, c'est tout. Shepard, ces données sur Cerberus pourraient aider les survivants ailleurs sur Eden Prime. Comment? Je peux transmettre ces infos à la résistance d'Eden Prime. Elle pourra peut-être s'en servir contre Cerberus. Là! Je crois que c'est l'ascenseur qui mène droit au site de fouille. La déesse, ça semble impossible. Ce n'est pas un vestige protéen. C'est un protéen. Ce serait un récolteur? Une de ces choses créées par les moissonneurs à partir des protéins? Non. Un véritable protéen. Intact et toujours en vie. Vous avez raison. Ça semble impossible. Vous avez vu les chambres de stase dans les archives sur Ilos? La seule raison de leur panne, c'est le manque d'énergie. Cerberus a trouvé ceci dans un bunker souterrain. C'est toujours alimenté. Il a été en stase pendant 50 000 ans à nous attendre. Pensez à ce qu'il peut nous apprendre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les protéins?
Le peuple, pas la technologie. Vu votre expérience avec l'Enigma protéen, vous en savez sûrement autant que moi sur eux. L'Empire protéen s'étendait sur toute la galaxie. Ils ont édifié une multitude d'autres espèces pour les aider à rejoindre la communauté galactique. Édifié, hein? Comme lorsque les Galariens ont aidé les Krogan à évoluer un peu plus vite. Oui. À en juger par les sites de fouilles des archives protéennes sur Mars, ou ici, sur Eden Prime, les protéens voulaient instruire les autres espèces. Il est clair que le savoir, la croissance et la coopération avec le reste de la galaxie leur étaient chers. Vu comment vous les décrivez, ils ressemblent beaucoup aux Asari. Ma description est influencée par mes propres a priori. Quoi que furent les protéens, en trouver un vivant représente une opportunité unique. C'est une bonne chose que nous ayons amené notre experte. J'espère être utile. Si ce seul protéen a été mis en stase, c'est peut-être parce que c'était leur chercheur le plus brillant, ou peut-être leur meilleur conseiller. Cerberus a endommagé le module quand ils l'ont sorti. Les signes vitaux sont instables. Alors sortons-le d'ici. Non, fracturer le module le tuerait. Il faut trouver le signal qui ordonnera la fin de la stase. Il faut aussi qu'on devine comment ouvrir le module sans faire plus de dégâts. Cerberus s'est emparé des labos à côté, pour examiner leurs trouvailles. C'est sans doute notre meilleure chance. Gaffe ! On y va avant que d'autres nous tombent dessus! D'autres infos pour aider les colons. Plus on en trouve, plus ils auront de chance. Ces renseignements donneront une chance à la résistance d'Eden Prime de chasser Cerberus de leur colonie. Voilà, c'est cet enregistrement du labo des protéins. Cerberus l'étudie pour savoir comment ouvrir le module. Oh, my God.
victoire, celle des poisons. Compris. Quelles sont les pertes? Les forces des moissonneurs ont détruit environ 300 000 modules de survie. Un tiers de notre peuple. Alerte! Impossible de sceller la cloison nord. Ennemi détecté. Toutes les forces au nord! Je peux dupliquer ça pour ouvrir le module de survie. Vous avez compris? Et vous? Non. Je n'ai vu que des parasites. Cerberus tentait de le décoder. Sans succès. L'énigma protéenne que vous avez reçue sur Féros, cela vous permet de percevoir les images comme un protéen et de comprendre leur langue. Peu importe. J'ai vu la vidéo et leur méthode pour sceller les modules. Parfait. Il nous faut juste le signal utilisé pour activer la stase. Ils ont été abattus alors qu'ils regardaient un match en buvant un coup. Les fils de pute, c'était la maison de quelqu'un. À trouver des archives vidéo des protéens. Cerberus l'étudie afin de trouver le signal de désactivation de stase. J'imaginais que notre empire vivrait. Il vivra. Nous dormirons ici, et lorsque les moissonneurs partiront, 1 million d'entre nous se dresseront. Pour l'Empire. Pour l'Empire.
Votre module attend. Victoire, envoie le signal préparatoire à tous les modules. Et les réfugiés encore en route vers le bunker ? Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. Vous comprenez ça aussi ? Oui, j'ai le signal employé par les protéins pour activer la stase. Parfait. Alors on a tout ce qu'il nous faut pour l'ouvrir. Et voilà des renforts. Je transmets le signal. Parfait. Le module va prendre quelques instants pour le traiter. Nombreux ennemis en approche, commandant. Il faut tenir cette position. On peut reprendre notre souffle quelques instants. J'aimerais bien que mon coach soit là. J'ai besoin d'une poche de glace. Le module a coupé le mode stase. On y est presque. Si on manque de munitions, il y a un dépôt de Cerberus dans le bâtiment d'à côté. Je peux projeter une singularité pour bloquer l'accès à l'ennemi. Calou, ne le laissez pas approcher.
prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Attention, il est désorienté. Souvenez-vous, ça fait 50 000 ans pour nous. Mais pour lui, c'est comme si... Quelques minutes! Négatif. D'après les estimations, le bunker sera envahi. Certains modules sont actifs, ces soldats respirent encore! Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. Allez à votre module, la bombe neutronique va tout purger. D'âme. Comment rebâtir un empire avec ça? D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Des pannes d'énergie sont à prévoir. Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Je serai bien plus que ça. Combien d'autres? Juste vous. Vous me comprenez bien? Oui. À présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Alors vous me lisiez pendant que je voyais? Nos derniers moments. Notre échec. Votre peuple a fait tout ce qu'il a pu. Il n'a jamais renoncé. J'aurais bien besoin d'un peu de cet acharnement. Shepard, vos actions ont attiré l'attention de Cerberus. Asari, humain. Je suis entouré de primitifs. C'est dangereux ici. Vous venez avec nous? Vous combattez les moissonneurs? Oui. Alors j'aviserai. Un protéen vivant. C'est exact, amiral. Mais ce n'est pas ce que nous espérions. Commandant, nos chercheurs arrivent à peine à comprendre ce qu'ils ont à faire. Si le protéen peut nous aider à construire cet engin, il nous faut son aide. Bien compris, amiral. On perd nos colonies plus vite qu'on ne peut les évacuer. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle force. Pas lui, amiral. Il peut nous aider? Je compte bien le découvrir. Bon, Cerberus nous a échappé, mais il nous a donné une nouvelle arme. Ne la cachons pas. Paquet terminé. Shepard, j'ai besoin de vous dans la soute bâbord. C'est à propos de notre nouvel invité. J'arrive tout de suite. Quel est le problème? Shepard, j'ai voulu arranger un peu la pièce, mais il ne me laisse pas lui parler. Mes excuses, docteur. Protocole de contact avec une nouvelle espèce, considérée comme hostile. Il faudrait mettre à jour les règles. Quelle nouvelle espèce? J'ai étudié les protéines toute ma vie. Du calme. Notre invité ne posera pas de problème.
n'est-ce pas? Ça dépend de vous. Je sens la peur en vous, l'angoisse, la détresse. Les moissonneurs sont en train de gagner. Comment ça, vous sentez? La vie fournit des indices à qui sait les décoder. Dans vos cellules, votre ADN, l'expérience est un marqueur biologique. Alors qu'est-ce que j'ai vécu exactement sur Eden Prime? C'était un sacré flashback. Le combat a laissé des traces en moi. Je vous les ai communiquées. Ça marche dans les deux sens. Comme vos balises? Oui. Qui? Vous en avez déjà trouvé? Vous avez tout vu? Notre destruction, nos mises en garde? Pourquoi n'ont-ils pas été prévenus? Pourquoi vous ne vous êtes pas préparés pour les moissonneurs, humains? C'est commandant. Et personne n'a compris vos avertissements. La balise a failli me tuer. Mais la communication est toujours primitive dans ce cycle. On a réuni ce qu'on savait et on a stoppé une invasion de moissonneurs il y a 3 ans. Alors l'extinction a été retardée? Nous avons les plans de votre appareil. Nous allons le construire. Appareil? L'arme sur laquelle travaillait votre peuple. J'espérais que vous puissiez nous aider à la construire. On ne l'a jamais terminée. C'était trop tard. J'imagine donc que vous ne savez rien du catalyseur. Non. J'étais un soldat, pas un scientifique. J'étais fait pour tuer. Quelle était votre mission? Parmi mon peuple se trouvaient les incarnations de nombreux traits. Bravoure, force, ruse. Un seul exemplaire de chaque. Et vous êtes? L'incarnation de la vengeance. Je suis la colère d'une espèce anéantie qui réclame que le sang soit versé. Mon but ne sera accompli que lorsque le dernier moissonneur sera détruit. C'est ma seule raison d'exister. Ceux qui partagent mon but deviennent des alliés. Ceux qui ne le partagent pas, des cadavres. Qu'en dites-vous, commandant? Rien dans notre combat contre les moissonneurs n'est aussi organisé. Parce que vous espérez encore que cette guerre épargnera votre honneur? En effet. Tenez-vous parmi les cendres de milliards de défunts et demandez aux fantômes si l'honneur compte. Le silence est votre réponse. On a trouvé ça sur le site. Ça vous appartient, je crois. C'est un totem de mémoire. Ça nous aiderait pour l'appareil? Non, il ne contient que la douleur. Mais je me battrai à vos côtés. Et la dernière chose que les moissonneurs entendront avant de s'éteindre sera la dernière voix des protéins les menant au tombeau. Si vous le permettez, j'ai encore quelques questions à vous poser. C'est parti. J'ai écrit plus d'une douzaine d'essais sur votre espèce. J'ai publié dans plusieurs journaux. Amusant. Les Asari ont fini par maîtriser l'écriture. Pardon? Peu importe. Que voulez-vous savoir? Nous n'avons jamais vu une espèce dotée d'une telle capacité sensorielle. C'était courant parmi mon peuple d'échanger nos expériences par le toucher, la chimie de la vie. Des idées complexes étaient assimilées en quelques secondes. Ça semble très utile. Nous étions des chasseurs. Lire des milliers de détails dans notre environnement nous a permis de survivre. Je commence un peu mieux à comprendre les balises.
Plus tard, nous avons exploité technologiquement cette capacité. Nous stockions l'information dans certains objets par le toucher. La mémoire a sa propre biologie, sa propre chimie, comme le savoir et les talents. Les balises pouvaient se souvenir de ces choses. Comme l'invasion des moissonneurs. Oui, je perçois votre agitation. Vous avez vu l'extinction de notre empire. L'essence de votre être en a été marquée à jamais. Vous pourriez lire quelque chose dans cette pièce ? Il y avait du liquide, une forme d'incubation, l'ADN d'un Krogan qui vivait ici. Il était puissant, enclin à la violence. Impressionnant. Il s'appelait Grunt. Si c'était mon ennemi, je l'aurais soigneusement évité. Ses gènes renferment une grande force. Liara ne me pardonnerait jamais de ne pas vous demander. Comment était la civilisation protéenne ? Oui, je me suis toujours demandé quelle sorte de gouvernement vous aviez, et que pouvez-vous dire de vos croyances religieuses, ou peut-être... Nous sommes éteints. Quelle importance. Je suis navrée. J'ai toujours été passionnée par votre histoire. Quand je suis né, notre empire se battait déjà contre les moissonneurs. L'incendie de ma planète est mon premier souvenir. Comment était votre civilisation avant l'attaque des moissonneurs ? Nous étions l'espèce dominante de notre cycle. Nous régnions sur la galaxie. Mes travaux ont révélé que seule votre espèce voyageait dans l'espace. Ça m'a toujours intrigué. Notre empire comptait de nombreuses espèces. Tous finissaient par s'appeler Protéens. Et s'ils ne voulaient pas ? Ils n'avaient pas le choix. Est-ce que vous réduisiez d'autres espèces en esclavage ? Ils pouvaient décider de nous affronter. En cas de victoire, ils auraient régné. Beaucoup ont tenté, mais ils ont tous échoué. J'ignorais que les Protéens étaient aussi... rudes. C'était une nécessité. Très tôt, nous avons été confrontés au danger de l'intelligence des machines. Elles se sont rebellées. Nous avons eu le même problème. Nous les appelons guettes. Nous ne pouvions pas laisser les machines nous supplanter. La seule façon de vaincre était d'unir toutes les espèces organiques dans notre empire. Ça a marché ? Pour un temps. Nous avions pris le dessus à la guerre des Métacons. Puis les moissonneurs sont arrivés. Alors nous avons compris que les machines nous surpassaient depuis longtemps, à un point inimaginable. Sur Eden Prime, on aurait dit qu'il y avait d'autres modules de stase. Que s'est-il passé ? L'Empire était tombé, et nous savions que notre cycle était perdu. Nous étions les derniers rescapés, les meilleurs guerriers restés en vie. Alors d'autres que vous étaient supposés survivre dans ce cycle ? Oui, un nouvel empire protéen aurait dû s'ériger sous mon commandement. Nous aurions dirigé les espèces de votre temps pour les préparer à la prochaine invasion des moissonneurs. Mais des traîtres, des agents endoctrinés nous ont trahis, et les moissonneurs ont découvert notre plan. Juste par curiosité, comment vous nous auriez dirigés ? En ne vous laissant pas d'autre choix, vous auriez rejoint notre armée, ou combattu les moissonneurs seuls. Nous avons découvert plusieurs ruines protéennes. Est-ce que vous observiez nos ancêtres ? Avant la guerre, nous cultivions les espèces qui avaient du potentiel. À la fin, nous vous aurions offert la possibilité de rejoindre l'Empire. Mais quand les moissonneurs ont frappé, nous avons tout arrêté, dans l'espoir qu'ils ne prendraient pas la peine de vous moissonner. Eh bien, je dois vous remercier, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'engin que votre peuple tentait de construire ? Rien que des rumeurs. On disait que nos chercheurs construisaient une grande machine capable de vaincre les moissonneurs. Vous l'avez vu ? À ce moment, notre empire était en miettes. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Si nous ne l'achevons pas vite, nous finirons de la même manière. Qu'est-ce que vous savez sur votre guerre contre les moissonneurs ? Beaucoup de détails ont été oubliés. Le conflit a duré des siècles. Ceux qui avaient connu le début de la guerre étaient morts depuis longtemps quand je suis né. Il y avait quand même des éclats de mémoire passée d'un soldat à l'autre. Ils nous apprenaient des fragments du passé. Il y a plusieurs années, nous avons trouvé une IV protéenne nommée Vigile sur la planète Ilos. C'était le gardien d'un projet de recherche.
De mon vivant, Ilos n'était qu'une rumeur. On parlait de villes construites là, sur les ruines d'une autre espèce, les Inusanon. Si nos chercheurs avaient des laboratoires, ce qu'ils y faisaient était secret. Oui, Vigil a dit qu'ils avaient effacé toutes leurs traces des registres afin que les moissonneurs ne les trouvent pas. Les chercheurs ont fini par se plonger en stase cryogénique. Certains de mes semblables sont vivants? Non, mais ils ont empêché les moissonneurs de prendre le contrôle de la citadelle pendant ce cycle. Ça a retardé leur invasion. Je n'ai jamais vu la citadelle. Elle avait été capturée avant ma naissance. Comment votre espèce a combattu les moissonneurs? Par l'usure. Système par système, planète par planète, ville par ville. Des mondes entiers étaient sacrifiés pour les ralentir. Le temps qu'ils passaient à moissonner une population nous permettait de nous regrouper. Ça a dû vous coûter cher à la fin. Oui, notre peuple était endoctriné, converti, puis utilisé contre nous. Mais nous n'avions pas le choix. La pitié n'est pas une arme, mais une faiblesse. À votre avis, pourquoi votre cycle a perdu la guerre? Ce qui faisait notre force, notre empire, était notre faiblesse. Toutes les espèces adhéraient à une doctrine, une stratégie. Les moissonneurs en ont joué. Une fois nos points faibles découverts, impossible de nous adapter. La division et la confusion ont frappé les espèces soumises. Dès lors, notre temps était compté. Heureusement, notre cycle est différent. La plupart des espèces coopèrent mais demeurent uniques. Alors c'est peut-être votre seul espoir. Merci de m'avoir parlé. J'avais jamais imaginé rencontrer un protéin vivant. Ça a été distrayant. Ah. Découvrir que les espèces les plus primitives de mon époque dirigent maintenant la galaxie. Asari, humains, Turiens. Et aussi les Galariens. Les lézards ont évolué? Je crois que ce sont des amphibiens. Ils mangeaient des mouches. Commandant, comptez sur moi. On m'appelle Javik. Il me faut un peu de temps pour récupérer. Le choc m'affecte encore. Je comprends. Ça doit être une sacrée expérience pour vous. Nous sommes juste ravis que vous soyez là, Javik. Tant de choses perdues. Tant de changements. Et les moissonneurs sont toujours là. Pour moi, c'était hier. Notre empire englobait la galaxie. Maintenant, nous ne sommes plus qu'un mythe. Je récupère mes forces, je serai bientôt prêt. Je subis encore les effets de la stase. Je subis encore les effets de la stase. Vous avez rencontré notre dernière recrue ? Vous voulez parler du plus gros événement des 50 000 dernières années, dont je ne peux pas parler ? Ah, vous l'avez vu. Je me demandais juste. Autrefois, les caméras n'avaient pas de fonction automatifiante. Les journalistes devaient se mettre 3 tonnes de fond de teint. On doit parler, commandant ? Pas maintenant, Allers. Faites-moi signe quand vous pourrez. Commandant, désolé, je ne vous avais pas vu. C'est un enregistrement de Ferris Fields, il y a 7 mois. J'ai perdu beaucoup d'amis ce jour-là, et j'ai perdu mon mari. J'ai fait mon deuil et mes adieux comme il le voulait. Vous parliez avec lui quand les récolteurs ont frappé.
Je dirigeais la construction d'une station relais un peu au sud de la colonie principale. Robert est parvenu à sortir du champ émis par les récolteurs. Au lieu de fuir, il m'a appelé. Je suis désolé de l'apprendre. Il semblait beaucoup tenir à vous. Il craignait que je garde le deuil, mais pour lui, j'ai avancé. Enfin, je le croyais vraiment. Puis l'invasion arrive, tout bascule. Et le seul truc que j'emporte, c'est ça. En fait, à quoi ça rime d'avancer dans la vie quand tout autour de vous est voué à la destruction? Si vous commencez à avoir ce genre d'idée, c'est comme si on avait déjà perdu. Ouais, vous avez raison. Mais bon, honnêtement, je me suis jamais senti aussi seul que maintenant. Steve, vous n'êtes pas seul. Je suis là et les autres aussi. Ça compte pour moi, Shepard, vraiment. Vous en faites pas, commandant. Quand je suis votre pilote, je le suis à 100%. Je foirerai pas. Ce sont les moments entre deux missions qui sont durs, vous voyez? Je sais. Chef. J'y crois toujours pas. Un protéen vivant. Le doc doit être aux anges. On peut dire ça. Mais il paraît que le type n'est pas entier. J'ai du mal à le croire. Rescapé d'il y a 50 000 ans. Le dernier de son espèce. Ça doit faire un choc. Ouais. Espérons qu'il nous aidera contre les moissonneurs. Je parie que l'homme trouble est remonté à l'instant où on parle. On lui a soufflé le protéin au nez et à la barbe. Ça baigne. Informations sur le terminal des messages privés. Un protéin. Un véritable protéin vivant, juste sous mes pieds. Je ne les imaginais pas comme ça. Moi non plus. Il était un peu froid quand je lui ai parlé. Je comprends le choc qu'a pu causer son réveil et l'extermination des siens. Et un protéin, Shepard, il pourrait nous dire tant de choses. Faites comme chez vous. Comment allez-vous, commandant? Comment allez-vous, commandant? Vous avez de nouveaux messages, commandant. Ces pauvres colons d'Eden Prime. D'abord les Geths, maintenant Cerberus. Pour ce que ça vaut, notre nouveau membre d'équipage n'a pas besoin d'interprète. Mais il nous a donné un programme d'apprentissage du protéen. Il semble avoir été créé à destination des peuples asservis et assimilés par l'Empire. Ça en dit long sur leur culture. Commandant ?
avez vraiment ramené un protéen ? Liara doit être excitée comme une puce. Elle en a rêvé toute sa vie. Commandant ? Thank you.